Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va traiter comme, le titre l'indique, ça va être mes produits terminés. Alors, j'ai un petit peu de tout, hein. J'ai de l'alimentaire, quelques cosmétiques, et puis c'est tout. On va commencer tout de suite sans perdre de temps. Alors, je vais vous présenter ici le miel de thym. C'était une découverte, je savais que ça existait, mais voilà, du coup, c'est la première fois que je déguste ce miel. Alors, ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est le seul miel que ma fille, je dirais, accepte de manger sans restriction, parce qu'il est assez liquide. Il est vraiment très très bon. Celui-là, je l'ai acheté dans une petite parapharmacie. Dans une petite parapharmacie, j'ai pas le nom. Récolté au cœur de la garrigue espagnole, donc c'est pas français. Voilà, il est d'origine d'Espagne, mais en tout cas, voilà, il est très très bon. Je vous recommande notamment le miel de thym. Du coup, j'avais changé très récemment pour la version miel d'eucalyptus, mais là, pour le coup, il est en fait solide et j'arrive pas à le redonner à ma fille. Voilà, elle accepte pas, elle préfère que ce soit un petit peu plus liquide. Donc, c'est un produit effectivement que je rachèterai. J'aime bien lui donner une petite cuillerée le matin. Bon, voilà, pour aider, on va dire, les défenses immunitaires, mais bon, même si dans le fond, elle est quand même malade, mais bon, voilà. C'est très très bon miel que je vous recommande si vous l'avez jamais testé et goûté. Ensuite, au niveau pâte à tartiner, j'ai choisi celle-là, donc la chocolate crunchy. Alors elle est vraiment extra. Un petit peu cher quand même, je crois, le pot de 350 grammes, ça part assez vite, à 5-6 euros, je crois. Alors, celle-ci vient de Biocoop, mais en tout cas, voilà, elle est très très bonne. Moi, je la mange le matin avec mes petites tartines dont je vous avais présenté, des tartines à la châtaigne. J'adore, je trouve ça très très bon. Puis, ça change un petit peu de l'alternative, de la conventionnelle. Je ne citerai pas le nom, mais bon, d'ailleurs, celle-ci, je ne l'achète pas, donc je préfère me rabattre là-dessus, quitte à en manger moins, mais voilà, c'est très gourmand, c'est très très bon, et oui, je rachèterai, c'est certain. On va revenir au miel, donc voilà, encore du miel de thym. Alors celui-là, je l'ai acheté sur Lyon, à l'Eau Vive. Donc voilà, toujours du miel de thym, mais alors par contre, celle-ci, effectivement, elle est peu chère. On a une grosse contenance, mais elle vient pas de. Elle vient de l'Union européenne. Voilà, donc bon. J'avais vu une émission pour reconnaître, enfin en tout cas prendre des bons miels de qualité. Il fallait qu'au moins qu'on sache la provenance. Moi, j'ai pas forcément de producteur à proximité où je pourrais savoir. Mais après, je regarde. Oui, je regarde quand j'achète du miel la provenance. Là, c'est vrai que j'ai pas fait attention. Mais bon voilà, du coup c'est ma deuxième, ça part très très vite, c'est très très bon. Alors surtout j'ai été malade septembre, octobre, deux fois non, j'ai été malade en septembre et deux fois en novembre. Donc c'est vrai que je me suis fait une sorte de potion magique avec du miel, de la cannelle, du citron et éventuellement une huile essentielle. En l'espace de 2-3 jours, j'étais sur pied. Vraiment, ça marche d'enfer. Et donc, c'était avec du miel de thym. Et j'en suis très ravie. Je vous le recommande. Et moi, j'en rachèterai à coup sûr. On va terminer l'alimentaire avec ici du lait de riz, pardon. Oui, alors du lait de riz. Moi, j'utilise en fait. Je ne le bois pas comme ça. Mais je l'incorpore dans ma chicorée avec du sucre de coco. Voilà, donc je vous présenterai ça aussi quand j'aurai terminé. C'est un petit peu ma boisson du matin. Même si finalement, je voulais quand même goûter la chicorée. Mais je me suis rendu compte que c'est pas très très bon. Enfin, moi, j'aime pas trop ça. Pourtant, ça a de très bonnes vertus, hein, des minéraux, enfin voilà, un tas de choses. Mais bon, voilà. Donc, lait de riz, aussi pareil en magasin bio. Hop. On va passer aux compléments alimentaires. Alors, quand j'étais assez malade, ce que j'aimais beaucoup faire et qui me donnait vraiment la pêche, c'est du gel, une gelée d'aloe vera. Donc, ici, c'est celle de la marque Lily of Desert.
946 millilitres. Ça m'a duré très très longtemps. Je prenais 2 cuillerées de gel d'aloe vera le matin et puis une cuillerée parfois en cours de journée, surtout le week-end, hein. Et alors, c'est vrai que j'avais l'impression que ça, jusqu'en fin de journée, j'avais quand même la pêche. Parce que je suis sujette un petit peu des fois à de la fatigue chronique. Bon, ça, je sais que c'est aussi dû en partie à l'alimentation. Oui, des fois, voilà, j'ai des sensations d'être vraiment très très fatiguée dès le matin. Bon, je sais que, bon, il faudrait revoir, comme on dit, le terrain, mais bon. Mis à part ça, voilà, je vous recommande. L'aloe vera a de multiples vertus, de toute façon. Et puis voilà, bon, seul bémol, c'est que c'est un petit peu cher. Donc des fois, il vaut mieux s'acheter une plante et puis du coup, la consommer, je dirais, telle quelle, hein, directement à la source. Maintenant, on va passer à la beauté. Je vais vous présenter une poudre indienne, hein, une poudre ayurvédique, c'est la Kashur. Kashur, voilà. Donc celle-ci vient du site Ma Planète Beauté. Et alors, je vous la montre terminée comme ça parce qu'en fait, je crois que j'ai dû l'utiliser en une fois, telle quelle, en mettant, je crois, des hydratants. Elle m'avait apporté beaucoup de volume, elle a des vertus éclaircissantes, elle gagne le cheveu, enfin voilà, elle a vraiment un tas de vertus. Alors, le seul bémol, c'est que bah pour la préparation, enfin pour la pose, c'est un petit peu la galère. Parce que bon, c'est pas. Ça fait des grains et c'est pas du tout facile. C'est pas du tout évident à poser. Bon, voilà, j'y suis arrivée quand même. Mais voilà, c'est une de mes poudres chouchou. C'est la cousine de la Kapoor Kashli, si je ne dis pas de bêtises. Elle sent extra bon. Pendant 2 jours, je vous mens pas, pendant 2 jours, j'avais les cheveux qui sentaient très très bon. Donc voilà, elle a un tas de vertus, je vous la conseille vivement. Ensuite, on va passer aux huiles essentielles. Celle-ci vient d'Aromazone. Alors ça, c'est mon huile essentielle fétiche. C'est la Ravintsaré. D'ailleurs, que j'ai incorporée dans ma petite potion contre les rhumes et les rhinos et j'en passe. Donc là, je la rachèterai, mais alors, par contre, pas celle d'Aromazone. Je vais essayer d'en trouver une autre directement en Biocoop d'une autre marque. Puisque finalement, j'ai pas envie de commander juste pour un produit. Bon, au niveau qualité, bon, c'est quand même très très moyen. Mais voilà, elle sent très très bon. Du coup, oui, moi je l'incorpore. Enfin, je l'utilise uniquement quand je suis malade. Ça, c'est vrai. Sinon, je l'utilise pas. Ou peu. Ou parfois en prévention. Mais j'ai tendance vraiment à oublier. D'en mettre sur mes poignets tous les jours. Donc voilà. C'est mon huile chouchoute. Vraiment que celle que je rachète de toute façon constamment et à chaque fois. Et dernier produit cosmétique, on va parler de l'après-shampoing de la marque Ibeo. Ibeo Cosmétique. Alors ça, c'est un après-shampoing avoine sauge qui vient du site Au cœur des racines. Alors, ça a été vraiment un flop total, cet après-shampoing, sur moi, sur ma fille également. Il est très très liquide. Au niveau de l'odeur, on a une odeur d'herbe. Alors, on a un très bon label, le label Nature et Progrès. On a un produit vraiment, je dirais, bon, Made in France, de qualité, non testé sur les animaux. Et je vais vous montrer un petit peu, vous voyez, le logo, c'est un logo que c'est la première fois que je vois ce type de logo. En général, c'est plutôt différent. Je trouve que c'est plus marquant le fait de voir un petit lapin, d'autant plus que j'en avais un, donc voilà, ça me touche plus. Voilà, donc par rapport à ça, c'est un produit, oui, sans phtalate, sans PEG, sans fragrance, sans colorant, etc. Bon, au niveau de la compo, on est, je dirais, dans la perfection, mais alors par contre, au niveau de l'efficacité, alors je suis désolée, au niveau de la luminosité, là, ça s'est complètement dégradé. Il ne démêle pas assez, il hydrate pas assez. Moi, voilà, j'ai pas du tout accroché avec cet après-shampoing. Voilà, non, je ne rachèterai pas. Mais par contre, si vous n'avez pas des très gros nœuds, en même temps, j'ai pas des très gros nœuds, mais bon, je sais pas. C'est l'odeur peut-être qui me gênait, c'est l'efficacité en termes de démêlage.
qui n'était pas là. Pour ma fille, total flop. Bon, c'est clair et net, hein, puisque juste derrière, elle a un tas de nœuds et ça n'allait pas du tout. Donc, voilà, ça va pas. Donc, c'était tout pour mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez ou si vous connaissez certains de ces produits. Je vous rappelle aussi, je vous en retouche un petit mot pour mon compte qui a été, mon compte Facebook qui a été bloqué. Je vous remets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à m'y rejoindre pour suivre mes publications. Et puis, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye! Par contre, du coup, ouais, puisque j'ai fait... il va falloir que je les note. Oh.